Carl Philippe de Suède et Sofia sont parents pour la troisième fois. Le bureau du maréchal est heureux d'annoncer que la princesse Sofia a donné naissance à un fils, en bonne santé à l'hôpital d'Andride, ce vendredi 26 mars à 11h19, peut-on lire sur le communiqué officiel du palais. Le couple royal, qui s'est dit oui en juin 2015, est déjà parent du prince Alexander, 4 ans, et du prince Gabriel, 3 ans. Le couple annonçait cette heureuse grossesse en décembre dernier. C'est donc un troisième garçon qui rejoint cette fratrie, comme nous le révèle le site Hello. Un petit garçon qui, rappelons-le, n'aura pas de titre royal, contrairement à ses frères aînés. En effet, en 2019, le roi Carl XVI Gustaf avait annoncé sa décision de retirer les titres de noblesse aux enfants du prince Carl Philippe de Suède et Sofia, ainsi que ceux de la princesse Madeleine et Christopher O'Neill. L'objectif de ces changements est d'établir quels membres de la famille royale peuvent être appelés à exercer des fonctions officielles incombant au chef de l'État ou liées à la fonction de chef de l'État, avait-il déclaré via un communiqué du palais. Le prince Carl Philippe, fils unique du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Sylvia, est actuellement quatrième sur le trône suédois après sa sœur aînée, la princesse Victoria et ses enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar. Son fils, né ce vendredi 26 mars, n'a donc pas de titre royal. Et ses deux frères, Alexander et Gabriel, enfants du duc et de la duchesse de Värmland, ont perdu les leurs. À l'instar de leurs cousins, les enfants de la princesse Madeleine de Suède, la princesse Léonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne.